Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une couronne de l'Avent avec des bouchons en liège, donc facile et économique, et ça peut être fait par des enfants à partir de 8 ans et même un peu plus petit si aidé par une adulte. Alors, pour faire ça, on a besoin naturellement beaucoup de bouchons en liège, un papier, un brouillon que j'ai coupé. C'est très facile, vous faites un moitié cœur, vous pliez les papiers et vous coupez. Pistolet colle avec ses bâtons de colle, de la laine, vernis colle et son pinceau. L'écriture Joyeux Noël ou dans ma langue italienne Buon Natale, avec du papier carbone pour les copier, du scotch et un stylo. Et pour bien finir, un carton décoré ou un carton aussi tout simple. Vu que les bouchons ne sont pas tous pareils, il faut travailler à l'envers. Sinon, je ne pourrais pas puis coller ma laine, je ne pourrais pas faire ma écriture. Donc, il faut bien s'organiser, travailler à l'envers pour avoir une jolie partie du cœur bien lisse. Commence à prendre forme, il est encore très très fragile. Les bouchons plus jolis, vous les gardez à l'extérieur. Et n'oubliez pas, c'est toujours bien importante la forme. Donc on va coller c'est sur les bords et puis on va remplir. Quand vous êtes vers la pointe du cœur, faites vraiment au fur et à mesure pour avoir une jolie forme, parce que ça va être ici la partie un peu plus difficile. Et je vous rappelle toujours les bords et puis dedans. Et sur la pointe de mon cœur, un petit dessin droit si c'est possible. Mon cœur, il est fini. Je vais mettre un papier à peu près du même couleur du liège derrière pour faire un joli fond et pour que le derrière soit propre aussi. Donc, si je veux que ce soit comme ça, je tourne soit mon feuille, soit mon cœur. Je vais bien me mettre dans l'angle et je fais les contours au crayon. On peut passer à la décoration de notre cœur en liège. Soit vous pouvez écrire Joyeux Noël, soit comme moi faire la trace du mot bienvenue pour puis coller les fils de laine. Positionner le mot,
je vais mettre un bout de scotch. Et avec du papier carbone, je vais quand même décalquer un petit peu la trace. On va commencer à coller notre fil de laine. Peu avec les pistolets colle et puis je passerai dans tous les cas avec avec le vernis colle. Avec la même technique, je vais mettre du fil de laine aussi autour du cœur. Ça fera plus fini et je vais faire quand même une accroche pour la porte. Et pour le moment, je le mets pas, mais à Noël, je peux rajouter la petite étiquette, soit ici, soit sur les bords. Et n'oubliez pas, vous avez plein de façons pour écrire bienvenue. Vous avez des stickers, vous avez des stylos, vous pouvez simplement l'imprimer et coller les morceaux de papier. Vous avez aussi des fenêtres qui sont intéressants à utiliser aussi. L'écœur il est fini, j'ai passé trois fois la ficelle autour des bords, j'ai passé deux fois du vernis colle partout pour bien les protéger et là vous avez plus qu'à les mettre à votre porte. N'hésitez pas à les personnaliser en occasion de Noël, des Pâques, anniversaire, ça peut être une idée originale. Voilà, à la prochaine, ciao.